Est-ce que vous saviez qu'il existe un moyen de rendre le ver des poireaux comestible? En le faisant lactofermenter, on va décomposer sa cellulose, ce qui va nous permettre de le digérer facilement. On va couper les extrémités et retirer le blanc pour l'utiliser autrement. On va rincer le ver, puis le couper en tronçons. Ensuite, on va leur ajouter 2% de leur poids en sel et les passer au mixeur pour en faire une pâte. Puis on va le mettre dans un bocal à joint. Le joint va permettre de faire sortir le gaz produit par les bactéries lactiques. En fait, c'est ça l'avantage. Au lieu que les flatulences se passent dans nos intestins, elles vont se passer dans le bocal. On remplit bien le bocal jusqu'à quelques centimètres du bord. On rajoute un poids ou un ramequin. On tasse pour faire remonter le jus et protéger la surface de l'oxygène. On ferme. On met sur une coupelle au cas où ça déborde. Et on laisse fermenter au moins 3 semaines à température ambiante. Et voilà. Ensuite, on peut y rajouter de l'huile d'olive et le servir par exemple avec un velouté de butternut et de chou-fleur. Et quelques noix. Et voilà, regardez-moi ça. C'est vraiment délicieux.